Alors, on revient avec la capture. Vous voyez, on est en face à face avec l'emblème de Mayotte. D'accord. En face à face, un rendez-vous galant. On est habitué des hommes. Hein. Oh, regardez-moi ça. Il me donne la main. C'est drôle. Apprivoise. Bon, les amis, comme je le répète, ici c'est à Mgouja. D'accord? Point particulier pour ceux qui veulent venir ici. Donc il y a toujours des petits vols, des petits trucs comme ça, des petits vols à l'arraché. Hein. Ils sont très adaptés ici, mais quand même, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde. Donc la seule chose à faire quand vous allez venir sur la plage, c'est de ne pas s'aventurer au fond de la plage avec des objets de valeur. Je vous demande de liker les amis, de mettre beaucoup de j'aime. Mettez des j'aime. Donc Mgouja, la plage de Mgouja. Donc on va aller au fond de la plage. Moi j'ai ma caméra, il ne faut pas aller au fond avec des objets de valeur, mais je vais aller au fond. Voilà. Donc, Mgouja, mettez des j'aime, les amis, parce qu'il y a des gens haineux là qui viennent sur les lives. Voilà. Donc, c'est pas mal. Il y a beaucoup de baobabs. Donc, comme vous pouvez observer, il y a beaucoup de baobabs. C'est bien ici. Donc, c'est une plage aussi que je peux vous conseiller. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a des petits malins qui viennent de temps en temps voler. Donc, il faut toujours laisser quelqu'un sur place. Là, on a le fruit du baobab. Bientôt, à Toso Yamabuyu. Il y en a beaucoup ici. Donc la plage de Mgouja. Mgouja. C'est beau, hein? L'eau est vert. Vous voyez, l'eau est vert clair. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, mettez-moi des j'aime les amis. Mettez-moi des j'aime. N'hésitez pas à partager. Voilà, les aventures continuent toujours. On lâche rien comme vous avez vu. Donc là, je vous montre les petites plages sympas à venir avec vos familles le week-end. Même il y a des bouillous là qui sont prêts là. Mais ils sont très hauts. Il y en a, j'en vois deux ici. Deux fruits de baobab. C'est ça. Là, on a ici le fruit du baobab. D'accord, il y en a plein. Donc on continue, on va aller au fond de la plage. Apparemment, les voleurs se cachent ici, là. D'accord. Les voleurs qui rackettent les gens ici. Il y a des petites pancartes qui sont affichées là-bas. Il faut faire gaffe, il faut pas venir avec des objets de valeur. Ou non, un boulot à s'en dérouler. Non, s'en dérouler.
Il y a beaucoup de fruits de baobab là. Bonjour. Faut faire gaffe le coin là. Hein. Faut faire gaffe de. Faut pas venir seul ici ce coin là. Faut rester plus là-bas parce que ici là. Donc c'est ici qu'il faut pas venir avec des objets de valeur ce coin-là. D'accord? Parce qu'il y a plein de traînards qui traînent ici, prêts à dépouiller les gens. Et il faut se méfier ce coin. Un petit peu contaminé. Je dis bien un petit peu, mais c'est une belle plage tranquille. C'est tranquille, quand même, c'est tranquille. Donc moi, je peux me permettre de venir ici. J'ai mon sac à dos de sécurité là. Donc je suis serein là. Tout est en place. Donc voilà. Bah, s'ils veulent venir, ils peuvent venir. Donc c'est le coin qui craint un petit peu. Sûrement les voleurs, ils ont des petits chemins pour s'exfiltrer vite fait, rapidement, quand ils ont volé quelqu'un. Donc il faut pas venir avec bijoux, montres, etc. Faut venir. Il n'y a pas des grosses agressions ici. Donc c'est juste du vol. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant. Donc voilà, vu d'ici, Mgouja, la plage de Mgouja, les amis, vous pouvez venir. D'accord, le week-end avec vos familles. Apprécié, d'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a 17 ans que j'avais pas mis les pieds ici, donc le pont a disparu parce qu'il y avait un pont ici. Je me rappelle, il y avait un pont sur la plage en bois, donc on pouvait aller et sauter, d'accord, faire des sauts dans l'eau. Et ce fameux pont, ben, détruite sûrement par les vagues ou par le vent, etc. Je sais pas, mais il y est plus. Mais c'est quand même, ça reste une plage vraiment beau en fait. Ah? Ah? Ah, roule? Ah, hein? Tran. Mangu. Zé, comment? Ah, c'est un gars de. Vous sentez cette fraîcheur de paix et de calme. La fraîcheur de paix et de calme. Est-ce que vous sentez ça, les amis? Hein? Vous sentez ça?
Ça sent Mgouja à plein nez, les amis. Le Mgouja en plein nez. Donc, ce week-end, venez-y. Il faut venir. Ah, venez apprécier le temps. Un petit bon barbecue là. Ici, tranquillement. Ça le fait, hein. En plus, il y a des fruits de baobab là. Il y a des maquis, il y a tout ce que vous voulez. Des fruits de baobab à portée de main. D'accord, on les a à portée de main. C'est vraiment sympa. Regardez. À portée de main. Mais la seule chose qu'il y a, c'est qu'on peut, on peut grimper difficilement. On peut monter la, les baobabs en fait pour grimper dessus. Les troncs sont tellement énormes qu'on ne peut pas monter dessus. Et donc il faut passer par les branches pour monter là-bas. D'accord ? Moi je passe toujours par les branches pour monter là-bas. Ça c'est un truc que j'ai toujours fait. Je peux le grimper, hein, mais je suis pas venu. Je suis pas venu pour ça en fait. Mais je peux le grimper. Et ça glisse beaucoup. Ça glisse beaucoup, beaucoup. C'est très glissant. Ah, ça sent l'air de barbecue, les amis. Je vous sens bien préparé pour venir à la plage de Mgouja le week-end qui va venir. Il y a plein d'armes de catégorie C. Ou délinquant. Ouais, ça aussi, hein. Moi, je vais monter un petit peu ici, là. Donc ici, lieu propice pour faire un barbecue. Là en face, vous avez un lieu propice pour faire un barbecue. Donc je vous dis, c'est assez sympa. Hein. C'est vraiment sympa. Il n'y a pas de déchets qui traînent là. Il n'y a pas beaucoup de déchets ici. Parce que les gens ils ramassent. Quand les gens ils ont fini, et ils ramassent leurs déchets et ils ramènent à la poubelle. Alors, ce qui fait que la plage est très propre. Donc on va essayer d'aller voir les maquis. J'aimerais vous laisser sur ces images avec les maquis. On a eu la chance de les voir là. Je ne sais pas s'ils sont toujours là. On va voir.
Samidine, Ahmed, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as mis ce que tu as mis là? Ton émoticône, c'est par rapport à quoi? Explique-moi. Et on doit se déplacer, nous, déplacer tout. Alors, Samidine, Ahmed, donc j'ai pas toujours compris pourquoi tu as mis ça. Je comprends pas son délire là. Tu as vu quelque chose qui te fait vomir ici là? Parce que je vois pas. Je vois pas du tout le rapport avec ce live. Et ici ça reste quand même une plage. Qui est beau. Très calme. Bon, il est parti où le plat? Donc vous voyez, l'eau est vraiment propre. On peut voir le fond. Je sais, je vous donne envie, je sais. Ça donne envie là. Ça vous donne envie de vous baigner. Je sais. Ah, on va aller à la rencontre du maquis. Il y a un petit ici. C'est des grimpeurs. Kikou. 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 Donc il faut pas être brusque. J'ai pas de banane les gars, désolé. J'ai vraiment pas ça. Donc ici, on prend vraiment soin d'eux là. Vous voyez la beauté, la chance qu'on a ici. C'est ça la chance qu'on a ici. C'est ça la chance qu'on a. Ça a des griffes quand même, ce. C'est ça. Viens. Il a peur. Toi, t'es un peureux, toi. Donc, c'est ça la chance qu'on a ici, d'observer la nature. Eh oui, c'est une chance. Ah, je sais que vous mourrez d'envie d'être là avec moi et pouvoir observer ça. Oui, c'est sûr, Issa, oui, c'est sûr, tu as raison. Effectivement, effectivement, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Hein.
Ramener du monde, ça va créer des emplois aussi, hein. Ça va donner du travail. Mais ça, observer ça, c'est justement, voilà, c'est quelque chose de beau, unique. Ah, ça, c'est une femelle. Moi, je profite, je prends le temps, je regarde, j'observe. Parce que c'est rare, hein, de... Ceux-là, ils sont habitués aux gens. Donc, il y en a beaucoup, ils sont pas habitués aux gens. Donc... Donc voilà les belles images que je peux vous donner. Ça, c'est les belles images que je peux vous donner. Regardez, on peut s'approcher. On peut même tendre la main. Regardez. On tend la main. Ça, j'ai rien dans les mains là. On tend la main. On peut même toucher. Donc voilà. Et voilà, c'est ça la magie de la nature. Donc tout ça, il faut préserver. Ça fait partie de la biodiversité, d'accord? Terrestre. Et d'autres aussi qu'on doit préserver, maritimes. Donc c'est très important, les amis, de préserver tout ça. D'accord? Donc, chers amis, je vais vous laisser sur ces belles images que vous pouvez observer. On va se quitter ici, d'accord? Plage de Mgouja direct. On est en direct de la plage de Mgouja. Donc, voilà. On peut que observer ça. Dis bonjour. Donc voilà, cher ami. Alors, moi, tout ce que je veux vous souhaiter, je vais vous souhaiter une très bonne journée, que Dieu vous protège, avec votre famille, vos enfants, vos parents, etc. Les vieux aussi. Donc, n'hésitez pas à venir ici, les amis, la plage de Mgouja, d'accord? La seule chose que je peux vous conseiller ici, parce qu'il y a, des pancartes qui sont affichées, des pancartes de sécurité, ce que je peux vous conseiller ici, d'accord, ce qui est marqué, d'accord, par rapport à ici, par rapport à la sécurité. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est ça. Je vais vous le montrer, d'accord. Je vais vous le montrer. D'accord, vous avez vu. Donc, lisez bien. Vous avez vu. Donc, ici, c'est écrit ça, d'accord. En raison de vols occasionnels sur la plage, notamment au bout à gauche, direction Kanikeli, nous vous recommandons d'éviter d'y apporter des objets de valeur et fortiori de laisser sans surveillance durant votre baignade à la réception comme au bar. Nous vous offrons dès le dépôt en consigne pour plus de tranquillité. D'accord, les amis? Donc c'est juste ça, c'est un petit bémol. Ça arrive pas souvent, ça arrive pas tout le temps. Mais voilà, c'est
quelques consignes, d'accord, pour faire attention quand vous venez. C'est comme partout, hein. C'est comme partout, même en France. Hein. Ici, même en France, tu laisses tes trucs, tu laisses toujours quelqu'un. Hein. Donc ici, c'est normal. Donc il y a toujours des petites vols, hein, mais il n'y a pas des agressions graves, etc. Parce que c'est quand même un coin tranquille. D'accord? Le sud, c'est un petit peu tranquille. Il y a un petit peu de tranquillité, je dis. Donc voilà les amis, ce que j'ai pu vous conseiller, d'accord? Donc voilà, à vous maintenant de faire attention. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas descendre à la plage. Je ne vais pas descendre à la mer, je ne vais pas me baigner. Donc, faites attention, d'accord? Et faites attention et n'hésitez pas à venir. On se dit à très bientôt, à très prochainement pour de nouvelles aventures. Inch'Allah, si Dieu le veut. Si Dieu nous l'accorde, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Assalamu alaikum wa rahmatullah.